Si ça ne passe pas, je pète un câble. Vraiment, les gars. On a 50 millions d'élixirs, 3 canons, des squelettes, des os, de la peau, enfin, des cheveux, des bombes. Il y a tout. Combien d'élixirs, là? Comment il défend ça? Comment il fait? Je ne sais pas comment il fait, moi. Je ne sais pas. C'est un surhomme, cet homme. Non, mais frère, casse-toi. Au bout d'un moment, il est tellement relou. Non, mais ref, c'est trop, là. C'est la pire humiliation. Oh, à moins que... Oh, putain. Oh, purée. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Clash Royale, bienvenue aujourd'hui pour jouer un deck. Bienvenue aujourd'hui pour jouer, ça veut rien dire, mais le deck ne veut rien dire non plus, frérot, c'est incroyable. On va voir ça tout de suite. On joue un deck avec le squelette géant qui est la carte la plus cancer du jeu en ce moment, c'est horrible. On joue également la reine, remplace par les archères si jamais t'as pas la reine. Les archères sont très très forts aussi, très très fortes pardon. Et on attaque directement la game avant toute chose quand même. Le code Trapa dans la boutique, n'hésite pas. Le meilleur moyen de me soutenir, dis-moi dans les commentaires si tu l'as mis. Et si tu ne l'as pas mis, dis-moi pourquoi, sois honnête. Comme ça, ça me permettra peut-être de m'améliorer sur les vidéos ou sur n'importe quoi. Bref, on est parti bébé, let's go. Squelette géant Arkix, c'est Eragon, donc c'est un frérot qui est youtubeur. Et donc il fait évidemment des vidéos et c'est un maître de l'Arkix. Donc à chaque fois que je le regarde, je suis sous le choc, il est vraiment trop trop fort. Et du coup on va jouer son deck. Et je suis vraiment impatient de le tester. Oh là là, regardez déjà ça commence à faire très mal. Ça commence à être un massacre déjà. La partie n'est même pas commencée, la tour est déjà tombée. La tour est déjà tombée mon ref. On a eu la petite chemisette de gendarmette. Voilà, vous savez, moi je suis fan des chemisettes. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, t'enlèves un bouton, deux boutons, trois boutons. Voilà, c'est la folie. J'adore les chemisettes, vous le savez, je vais lancer ma marque de chemisette un jour. Mais pas tout de suite. Voilà, donnez-moi un an ou deux. Et je vous garantis que je lancerai ma marque de chemisette, je l'avais dit en live. Je la lancerai un jour. Ok, alors, du coup, quand je serai un grand youtubeur, bientôt. Du coup... On va repartir en Arkix, il reste... ok, la reine qui reste en vie, ça me fait bien plaisir. Ok, alors dommage, l'esprit de feu qui a servi littéralement à que dalle. Mais on va prendre la tour. Allez bébé, oui. Ah, j'aime bien que ça se passe comme ça. Très bon début de partie, on n'a même pas joué notre cher squelette géant. Il a servi à rien pour l'instant. C'est vrai qu'on a choisi d'être un peu aggro, mais j'aime bien être agressif, vous le savez. J'aime beaucoup, justement, quand l'adversaire met un truc à droite, boum, tu mets un truc à gauche ou l'inverse. Et là, on va simplement mettre le canon, voilà, pas besoin de mettre plus. Pas besoin de mettre plus d'élixir. Ok, là, on va mettre quand même le squelette. Ah, si, j'ai envie de défendre, les gars, j'ai envie de défendre. Là, ça va défendre parfaitement. Esprit de feu, regardez, le timing à la précision. 3, 2, 1, piou, magnifique. Piou, j'adore ce bruitage, vous le voyez sûrement. Dans les vidéos, j'adore le petit bruitage piou-piou-piou, c'est le bruitage de Colt sur Brawl Stars quand il tape. Voilà, en fait, c'est un gars, il a des pistolets, il a deux pistolets comme ça, il tape. Mais si vous ne connaissez pas Brawl Stars, évidemment, bah, vous n'allez pas avoir la référence. Mais je pense que vous connaissez Brawl Stars quand même, si vous faites partie de ma communauté. J'en ai fait pendant pas mal de temps. J'ai aussi eu une team e-sport avec le PSG, photo ici, photo d'époque, il y a 2-3 ans. Ça passe tellement vite, les gars, c'est un truc de fou. Ça fait 3 ans que j'étais au PSG, c'est un truc de baiser. Bon, en tout cas... Petite boule de feu, oh là 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 là, elle était tellement value, sans faire exprès, j'adore la value sans faire exprès, VSPE, value sans faire exprès, frérot, j'invente des expressions, on en est là, et on a évidemment la boule de feu, la BDF pour terminer ce beau monde, les squelettes qui sont fait défoncer pour rien, 20 secondes, ah ouais, 20 secondes restantes quand même frérot, quand même, ah ouais, là faut faire gaffe, là faut faire vraiment gaffe, squelette géant, et puis voilà. On est pas mal, petite bûche des bois, et on est très très bien, je vous le dis, ça fait plaisir. Première victoire Ada, et je suis refait, voilà, j'aime la vie, j'aime bien quand je gagne, mais voilà. Deuxième game, Rayton, et conseil aussi les gars, très important, mettez votre téléphone dans une autre pièce quand vous travaillez. Il n'y a même pas de mode avion, on s'en fout du mode avion, mettez-le dans une autre pièce carrément. Moi je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup mieux en fait le soir. Pourquoi? Parce que le soir en fait il n'y avait personne qui me faisait chier, très clairement dans les notifications. Donc très important les refs, si vous voulez progresser évidemment, je vous conseille de mettre votre téléphone dans une autre pièce pour travailler sur vos cours ou sur vos projets. Perso, petite parenthèse terminée, on est en train de laver l'adversaire là. Le mec, on a pris le savon, on est en train de le savonner. C'est la savonnade. Oh là là, c'est ma nouvelle expression. Les gars, c'est ma nouvelle expression. C'est la savonnade. Je veux rien savoir. Comment j'ai trouvé cette expression, j'en sais rien. Mais c'est la savonnade et je kiffe.
cette expression. Ok, donc là on va juste mettre la reine. Petit lockbait des familia de la casa. On prend deux coups. Ça me fait pas super plaisir, je vais pas te mentir. La capa de la reine. Oh putain, j'ai failli pré-shot, frère. Tu sais que j'ai failli pré-shot. Tu le sais que j'aurais dû pré-shot. Là on prend pas de dégâts, nice. On est bien. On remet le petit col de gendarmette. Voilà, le petit col de gendarmette. Ok, on va juste mettre la boule de feu ici, on va pas se prendre la tête. Et on va juste mettre les petits squelettes. Voilà, qui devraient bien défendre. Enfin, du moins, j'espère. Allez, bébé, défends. Biquette, biquette. Voilà, magnifique. Donc, deck très très lent. On connaît, on coco. Voilà, il faut évidemment être très 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 patient pour jouer ce deck. Soyez patient comme moi. Détendez-vous. Oh putain, par contre, il est tellement relou avec sa. Ouais, bah après, c'est le deck, hein. C'est le deck Lockbait. Tu joues le. Ta petite princesse. Voilà, mais c'est chiant, mais voilà. Le truc, c'est que dès qu'il la met, boum, il faut être réactif et c'est très chiant. Alors, Reine des Archers, est-ce qu'il a le. Putain, il a la roquette, hein. Il a sûrement la roquette. Est-ce qu'une roquette sauvage va sortir de. Oh, 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 oh. Là, il faut absolument garder ce truc en vie. Ok, bon, c'est pas grave. La bombe du squelette qui va attirer la tour centrale, bébé. C'est pas grave du tout. Warkix en défense. Hein. Bon, je pense qu'il avait capté que je joue Warkix. Je crois que j'ai pas mis d'Arkix si je dis pas de la merde. Non, frère, s'il prend l'Arkix, je pète un câble. Frérot. Non, 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 il va pas prendre l'Arkix, mec. Ok, j'ai cru qu'il allait mettre un dégât. J'ai fait what? What, mec? J'ai failli câbler, là. Ok, encore une fois. Il l'a attiré et du coup on peut partir là-dessus. Ok. Oh, très bien joué de sa part, les petits sapeurs en vrai. Très très bien joué. Non, l'Arkix, non mais attends, on peut pas se la prendre comme ça. Les refs, on peut pas se la prendre comme ça. On va remettre une BDF, une bûche. Une bûche de feu. Oh mec, nouvelle carte. La BDF, la bûche de feu. Mec. Elle laisse des dégâts pendant 5 secondes sur la map. Vas-y frère, je vais me faire embaucher. Je vais créer mon jeu les gars, mais c'est trop, j'ai trop des bonnes idées à chaque fois. La bûche de feu, frère, nouvelle carte. Comme ça, je pourrais. Et là, je fais une vidéo putaclic en mode nouvelle carte Clash Royale. J'ai designé la nouvelle carte Clash Royale. Putain, incroyable, les gars. Oh, par contre, ça. Oh là là, ça fait mal aux petites fesses, ça. Dommage, dommage. On n'a pas eu. Oh, deux squelettes géants. Oh oui, I like it. I like it, my friend. I like it. I like it so much. Thank you for your trophy. Oh, non. Oh, la Valkyrie. Putain, j'ai pris un karma instant. La Valkyrie qui tape, même si on a évidemment le. Oh non, mon ref, c'est trop là. Pourquoi la Valkyrie tape sur le squelette alors que la reine est invisible? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fait des dégâts de zone. Donc en fait, elle tape quand même. Et c'est insupportable. Est-ce qu'on peut juste. Putain, on va être obligé de. Mais mon ref, on va être obligé de gratter. En mode gratteur. On va être obligé de gratter comme un gratteur. Avec la boule de feu. Non mais. J'adore faire ça après, mais voilà. On est toujours très patient. On n'a pas réussi à mettre Darkix. Il va sûrement mettre les sapeurs, voilà. On connaît. Tu coco, tu néné. Nice. Non mais mon ref, la Valkyrie, est-ce que tu peux te calmer un jour? Ou c'est comment là? Là il va être son pêcheur, on connaît encore une fois. Tout le temps la même chose. Oh, Kava Bélier, nice, bah écoutez hein. On va défendre, on va remettre un squelette. Putain, il a déjà défoncé. Non, deux squelettes géants. Vas-y, on va mettre les squelettes. Putain, mec, si on n'arrive pas à passer. J'ai le seum quand même. Si on n'arrive pas à passer là quand même mon frère. Arkix des familles, de la familia de la casa. Là, si ça passe pas, je casse ma tête. Si ça ne passe pas, je pète un câble. Vraiment, les gars. On a 50 millions d'élixirs, 3 canons, des squelettes, dans tout, des os, de la peau, enfin, des cheveux, des bombes. Il y a tout ce qui. Je sais pas pourquoi ça ne passe pas là. Allez, c'est parti. On termine. S'il a une roquette, bien joué. Non, oh putain, c'est tellement frustrant. Après le pêcheur, vraiment frustrant, les refs. Et voilà, ça passe enfin. Let's go. Il a joué sa life, le frère, mais je le comprends. Puisque moi aussi, je joue ma life quand je joue. Voilà, oh, la fin, c'était fort en chocolat, les gars. Je suis sous le choc. J'ai cité un slogan de Chocapic, frère. J'ai cité un slogan Chocapic de 1926. Ok, prochaine game. Sans coupure. Et oui, on est des fous, on est des malades ici. On s'en bat les couilles des défaites, on s'en bat les couilles de prendre cher. Let's go. Est-ce qu'on met l'Arkix? Non, on va pas mettre l'Arkix. Ok, on va juste mettre la bûchette. La bûche, la bûchette des bois. Allez, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire des massacres avec. Oh putain. Ouais, c'est pas grave. Ok, là, c'est pas grave. Donc, il met 8, j'ai mis 9. On prend des patates, mais on a derrière le meilleur outil pour gagner. Voilà, c'est un outil, mec. Faut voir ça comme un outil. Voilà. Oh, purée, dommage. Bah, tu sais quoi, on va mettre la tour de l'enfer. La.
Voilà, nice. Oh putain, ça va être incroyable. La bombe. Allez, tape. Wow, ça... Ça a pas tapé du tout. Mon ref, ça a pas tapé du tout, là, j'ai l'impression. What the fuck. Ouais, on a mis un dégât, let's go. Ok. C'est la merde, c'est la merda à la casa. On est derrière, on a les cochons royaux. Il y a le séisme. Le séisme qui est notre counter. C'est horrible, franchement, frère. On a un séisme en face. Pourquoi ça joue séisme? Ça joue jamais séisme, en vrai. Cette carte n'existe pas, à part quand tu joues des bâtiments. Il faut le dire. En vrai, quand je joue séisme, je me plains pas, mais là, c'est vrai que c'est chiant. Oh, il peut même... Putain, il peut même cycler sa bûche, le con. Il peut même cycler sa bûche. Il est tellement serein, le ref. Il est tellement serein, le ref, qu'il s'en balèque, en fait. Il s'en balèque. Là, il a juste à mettre son truc, là, son séisme. Après... Il a pas mis son séisme. Il a oublié le séisme. Ah non, il l'a bel et bien et ça me défonce l'Arkix quoi. C'est... Voilà, carte à 3 qui défend une carte qui coûte 6. Voilà. Je ne sais pas où est la logique mon ref, mais c'est vrai que je pense que dans l'histoire de Clash Royale, il y a les flèches contre les gargouilles, ça fait mal. Flèche contre gargouille, tu prends cher. Mais séisme contre Arkix, tu prends très très cher. C'est 3 d'élixir qui gèrent 6. Ça fait quand même bobo. Et on n'a pas de pansement, donc c'est chiant quoi. Ah c'est la merde les refs. Les blagues sont nulles, tout est nul sur cette vidéo. Tout est mauvais. On va juste essayer d'être bon. Si nous on est bon, ça va le faire, croyez-moi. Ok, le Royal Delivery. Le colis stratégique de Call of Duty. Frère, on a, par contre là. Frère, on a vraiment 2 squelettes géants. Frère, on a 2 squelettes géants. Allô, allô, allô monsieur. Allô, allô monsieur. Vous me recevez? Monsieur géant. J'ai un colis pour Monsieur Géant. Non, il va... Non, mais comment la Tour de l'Enfer... Non, mais frère, comment la Tour de l'Enfer peut prendre 2 squelettes géants? La Tour de l'Enfer prend 12 élixirs. Je suis pas en train de rêver. La Tour de l'Enfer est vraiment trop abusée. Par contre, là, c'était très très bien, ce petit... cette petite bûchette, là. Pour allumer mon petit feu, je suis bien. Bon, par contre, match-up horrible, hein. Les gars, je suis désolé, mais séisme... Le Royal Delivery, non. Le colis de Colissimo, non. C'est quand même dur la vie, hein. c'est quand même pas simple, hein. Soyons honnêtes. On a quand même eu de la chatte, on a mis une... Ouais, la boule de feu était bien. Mettre ça, ok. Là, mon ref, c'est bon. Là, frère. Là, on a la contre-attaque. Non, mais vraiment, au bout d'un moment, je me dis, putain, si ça passe pas maintenant, je ne comprends pas quelque chose. On a 72 élixirs sur le terrain, on va arriver en x3. Il va mettre certes sa tour de l'enfer, mais on a tout ce qu'il faut. Allez, mets ce que tu veux, là. Oh putain, mais c'est pas possible. On n'arrive pas à passer, mon ref, il défend 72. Non mais mec, on en parle de son deck quand même. J'avais le squelette géant, l'Arkix plus la reine. Le gars, il a réussi à défendre. Mec, c'est quoi ça? C'est un surhomme, c'est comment? Allez, j'ai envie de partir sur l'autre côté, frère. C'est bon, ça m'a saoulé. Voilà, on va lui donner un super séisme. Après, s'il est pas... Ok, bon, au moins ça l'a fait un petit peu bouger. Il a quand même mis sa tour de l'enfer plus la bûche. Je pense qu'il en a un peu trop mis. Et le squelette géant. Allez bébé. Oh purée. Allez sur la tour. Tout droit. Oh là 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 là. C'est tellement dommage là en vrai. Bon, on a encore une fois notre combo de bâtard. Là il va essayer de finir. Non mais ref, c'est la même situation que tout à l'heure. On a 6, 12. Putain mais on a combien d'élixirs là? Comment il défend ça? Comment il fait? Je ne sais pas comment il fait mon ref. Je ne sais pas. C'est un surhomme cet homme. Non mais frère, casse-toi au bout d'un moment. Il est tellement relou. Non mais ref, c'est trop là. Le gars arrive à défendre à chaque fois. On va essayer de gratter boule de feu, mais c'est insupportable, vraiment les gars, c'est la pire humiliation. Oh, à moins que... Oh putain, oh purée. Oh, oh. Let's go, oui. Petit jus de pomme pour nous rafraîchir. Mais quel plaisir cette game, c'était incroyable. C'était la plus belle game de la vidéo pour l'instant. Et c'est que le début. Imagine à la fin de la vidéo, on va encore avoir des games de folie, toi et moi, crois-moi. Ok, alors, on attaque. J'ai mis la petite lumière, on est très très bien. Mais quel plaisir ce jeu, franchement. Quand vous demandez comment tu fais pour jouer à Clash Royale depuis très très longtemps, depuis 7 ans, la réponse, elle est là. Enfin, c'est pas 6 ans, ça fait ouais, 6 ans. 6 ans, bientôt 7. Mais bref. Les sensations sont folles. Let's go bébé, allez, j'envoie une reine. J'envoie la reine, j'ai mon petit jus de pomme, je suis bien. Ok, à la vôtre.
C'est le bruitage qui donne soif, mec. Le bruitage que je viens de te faire, mon ref, il donne tellement soif. Ok, on lui laisse 3 d'élixir ici, ça me va. Ça me va, on prend l'avantage de 3 d'élixir. On prend un peu de patate, mais nous, on va passer sur l'autre côté. Donc, bah les couilles. Le PK, le caca. Il est là, le gros. Le gros PK, bon, tu sais qu'on va de l'autre côté, hein. Bah les couilles. Ok. On va essayer de mettre ça. Je comprends pas qu'un. Ok, qu'un archi se fasse éclater comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ok. Putain, le gobelin, ça va canne jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, le ref, il était là. Pou. J'ai fait l'imitation. Noté l'imitation sur 20. Mais putain. On a pris Chéros là. On a pris Chéros, mon ref. Les squelettes, j'ai même pas fait exprès de les mettre. Allez, ce sera jusqu'à la fin. Ok, la Valkiki. Ouais, ok. Bon. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut la gagner? Est-ce qu'on peut la win avec ce PK des enfers là? La bûche. Ouais, le PK des enfers il est chiant. On peut laisser taper un coup, ça me va. Mais deux coups, ça me fait chier en fait. Donc j'espère qu'il va juste mettre un coup. Nice, zéro coup. Parfait. Je peux pas rêver mieux. On va attaquer, hein, tu sais quoi, sinon ils vont me saouler. Ah, ils vont me saouler par ici, sinon Valkyrie. Yes. Faut vraiment la gérer direct. Ouais, ils défendent bien quand même. Hein. Je trouve qu'on est quand même contre des bons joueurs. Là, allez, pète. Oui, elle a pété. Let's go. Elle a pété, les gars. Yes. Je suis trop content, ouais. En vrai, je suis refait, premier degré. Bon, là, je suis pas refait, mais c'est pas grave. Pas de dégâts. C'est pas grave, en fait. Ça a changé absolument rien. Est-ce qu'on est dans l'axe? On n'est pas dans l'axe. Ok, là on a juste à gratter comme des bâtards. Voilà, ok. Arkix en def. Ah, il gratte aussi comme un bâtard. Oh, il connaît. Il connaît les strats de porc. Let's go. Ok, archi magique. On va aussi mettre la boule de feu. Voilà, on reste en vie, évidemment. On garde en vie la reine qui peut avoir de la value. Voilà, ça force des petits trucs. C'est cool. Là, ça lui donne encore une fois une belle boule de feu. Ok. Arkix. Bûche. Nice, c'était sûr qu'il allait protéger. Normalement, là, il va prendre très cher le PK. C'est moi ou. Le PK est juste intuable. Frérot, il s'est pris une bombe de squelette géant. Non, j'y crois pas, ref. Ok, par contre, là. Ok, on a le petit truc. Ouf. Oh, il fait mal, les petits squelettes qui me défoncent là. Non, PK dur, hein. PK dur, très dur. Valky. Peut gratter boule de feu. Putain, j'ai vraiment le seum de cette game de merde. Ah, ça va être la défaitada, les gars. Ça va être la défaitada, je pense. À moins du miracle, le miracle du trapas. Il a le PK ou pas? Il a son PK. Oh, il a. Il a le PK. Ah, il a le PK. Ah, mec, il cycle bien. J'ai deux canons, j'ai tout ce qu'il faut, mon ref. J'ai deux Arkix. On va mettre ça. C'est quoi? On va mettre un petit Arkix à gauche en mode grosse surprise. Surprise. Ouais, il s'en balèque en fait. Il s'en balèque littéralement, notre ami. Hein, il nous met la Valky. Ah, trop de tank, hein, Valky. Ouais, trop dur les refs. Je suis désolé. Bien joué à lui. Ah putain, j'ai pas envie d'abandonner, mais vas-y, là, la boule de feu, il peut cycle. Bien joué. Ouh, la game mal de tête là, frérot. Là, je vais devoir. On va devoir se reposer après cette game. Hein. 7 jours de repos. Après cette game de merde, non mais c'est dur en vrai, c'est très dur. Je suis déçu qu'il n'y ait plus d'égalité sur Clash Royale. C'est vrai que j'aimais bien à l'époque, tu avais les égalités. Du coup, tu savais quand tu avais une game un peu compliquée. Je pense qu'on aurait pu passer, on a dû faire des énormes erreurs, on a dû trop agresser. Mais en restant bien patient, putain, le gars il s'est jeté sur ses émoticônes, il a mis tous les émoticônes. Tiens, je vais mettre tous les émoticônes. Il s'est vraiment énervé. Caca, putain, mec, pourquoi il s'appelle caca le gars? C'est grave ça. Bon, vas-y. Arkix direct. Il va pas me saouler. Arkix canon, on a le combo. Ok.
L'Arkis canon est là. Je pense qu'il y a du PK. Ok, il y a du... il n'y a pas de PK. Enfin, pour l'instant, du moins. J'espère qu'il n'y a pas de PK. Vous avez vu que ça nous fait vraiment, vraiment chier. Ok. Ok, bon, ça passe pas. Les gardes... Enfin, les recrues royales, pardon, pardon, excusez-moi. Caca pété. Mais mec, c'est quoi ce... Non, mais frère, il n'a pas le droit de s'appeler comme ça, mec. Il n'a pas le droit de s'appeler comme ça, mon ref. Frérot, qu'est-ce que tu fais, là? T'as quel âge? T'as 2 ans? Il a 2 ans, l'adversaire, mec. Il a 2 ans. Bon, allez, on fait honneur au deck. Là, on n'est pas si mal, en fait. On n'est pas si mal, les appises. On a la boule de feu pour gérer la machine volante. Je jure que je garde... Il faut que je jure... Il faut que je garde la... La boule de feu contre la machine volante, puisque la machine volante va vraiment trop me faire... Voilà. Donc là, au moins... Là, au moins, il n'y a pas de doute. On a la machine volante. Voilà, qui est snipée. Et ça me fait plaisir. Ok. Bon, l'Arkix qui est en grève, hein. Putain, les 2 premières games, c'était bijou, on était bien patients. Non, on n'a pas été assez patients, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais écrire, je vais encore une fois écrire un post-it. Écrivez des post-it avec ce qu'il faut faire. C'est pas si dur, en vrai, hein. Sois patient. Et puis voilà, hein, sois patient, tu mets l'Arkix à la fin. Et voilà, ça passe, surtout qu'on a le squelette géant qui permet de bloquer les grosses agressions. Normalement, le PK, il aurait pas dû me faire chier, le PK. Sur les games précédentes. Ok, bébé. Let's go, squelette géant, dans le fond. Dans le fond du terrain à droite, sachant qu'il nous a gratté un petit peu à gauche, donc on préfère qu'il attaque à droite. Je sais pas comment ça va se passer cette game, honnêtement. J'ai envie d'en mettre dans tous les sens. J'ai envie d'allumer le terrain, mec. J'ai envie que ça pète dans tous les sens. Allez, on va voir. Alors, on va juste mettre la capa. La capa, c'est la bonne idée. La capa, ça ne peut pas être une mauvaise idée. Oh putain, j'ai oublié qu'il y avait cette merde là. Viens là. Voilà. Il y a eu de la chatte. On a eu beaucoup de chance sur la machine volante qui s'est avancée. Oh, il a les flèches. Ok. Ok, on va être le squelette géant dans le fond du terrain. Ah, si on prend des dégâts par cette merde là, c'est bon. Ok, pas de dégâts. Et ouais, il fait la stratégie. Non, mais il fait la stratégie du fond. C'est la stratégie du fond de cours, mec. La stratégie ski de fond. Tu mets tes cartes dans le fond du terrain. Tu te fais pas chier. Et ça défend, quoi. Et la vie est belle. Oh, oh là là, c'était pas prévu, mais putain, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau, les gars. C'était la plus belle action d'e-sport de l'année. Le pré-shot qui n'est pas fait exprès. J'adore. Est-ce qu'on peut juste se faire plaisir sur cette game ou c'est comment, là? Allez, un petit squelette géant. On n'a même pas réussi à détruire ça, bah putain. Allez! Allez! La bûche! La bombe qui va passer. Allez, frérot, l'Arkix, putain, il est au chômage. Il est au chômage, le gars, je vous le dis. Putain, la machine volante, elle est pas au chômage, elle, je te le dis. Hein. La machine volante, elle charbonne, mon pote. Elle charbonne H24. Allez, tu sais quoi, petit Arkix repos. Petit Arkix reposant, on est derrière. On est vraiment terriblement derrière. Et là, le truc, c'est qu'il joue très bien. Putain, il va gratter. Mais mec, ça me saoule, je me fais gratter alors que je joue Arkix. C'est pas normal, en vrai. On fait encore... Encore de la merde là. C'est quoi, on va jouer comme ça. On va juste défendre sur le côté gauche. Bas les couilles de la droite. Let's go. Ok, ok, nice. Là mon ref, mais vraiment dis-moi comment il défend là. Comment il défend. Non mais vrai, en vrai. Comment il défend ça. Il y a toutes les cartes de Clash Royale. Il y a toutes les cartes, mon ref. Toutes les cartes de Clash Royale sont là. C'est pas compliqué, il y a tout. Tout est là. Voilà, nice, 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 nice. Envoie la sauce. Envoie la sauce, bébé. Voilà, bébé, je t'aime. Ok, on va se calmer. Du coup, là, squelette géant. Tac. Boule de feu sur cette merde, là. Ok, nice. On est très bien. Hein. On est très bien. On va mettre ça, les petits dégâts de zone. Tac, 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 tac. Oh, putain, on est derrière. On est derrière, les gars. Il nous faut un dernier Arkix. Il reste 30 secondes. Oh, putain, c'est pour nous. What? What the f... Mec, il a combien d'élixirs là? Non, j'y crois pas. Frère, j'y crois pas. Il a mis... Il a les recrues, mais il a tout. Il a tout, le gars. Il a tout. Allez. Mec. Mais putain, mais passe. Passe, passe, passe. Mais il a combien d'élixirs, mon ref? Il a combien d'élixirs? Oh, c'est beaucoup trop, les gars. On a fait tous les pré-shots et tout. Non, ça joue à une bûche. Non, ça joue à plus d'une bûche. Le seum de fou, mec. Caca pété, mec. On perd contre caca pété. C'est quoi? C'est quoi, ce mec? Oh là là, encore une fois, 3 gros. Je pense 3 gros. La conclusion, c'est toujours 3 gros.
On doit vraiment protéger nos tours. Et après, le reste, c'est du bonus. On passera en x2, en x3. Oh là 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 là. Terrible cette game, mon ref. Terrible. J'ai envie de me mettre les... C'est terrible, c'est terrible. C'est la pire game du monde, mec. J'ai le seum contre KKPT, frère. C'est pas possible de... Il m'a tilté, je vous le dis, il m'a tilté. Ça y est, je suis énervé. Je suis énervé pour la semaine maintenant, les gars. Je suis énervé pour la semaine. Bon. Ok, on va mettre ça. Ok, petit spam bridge des familles. Alors lui, ça faisait longtemps. Ça, c'est toujours chiant à gérer, mais bon, on va essayer de gérer. Ok, ça dégage. Il a zappé, ok. Why not? Bon, on va pas défendre. On va laisser comme ça. Oh, la game de merde. Il joue sûrement PK. Il joue sûrement PP. Oh, la game d'avant. Oh, la game d'avant, mec. Elle est insupportable. La game d'avant a fait trop mal au cœur. La game d'avant, vraiment, a fait... C'est le couteau dans le cœur, quoi, clairement. Et là, putain, il a le PK pour changer. Qui joue PK, sans déconner? Personne ne joue PK, si tout le monde joue. Mais... Bref, je fais le rageux. Le trapa rageux est là. Ok. Là, normalement, il va devoir galérer. Normalement, c'est la galère. Voilà, enfin un peu d'air. On respire enfin un peu sur cette planète. Est-ce que l'Arkix peut... Non, peut me sauver, mais non, il me sauvera pas, mec. J'ai l'impression qu'il met 20 ans à détruire la tour, par contre, hein. Wow, c'est trop, là. Ouais, bon, c'est pas grave, on perd la tour, hein. Et on prend la tour de gauche, quand même. Putain. Putain, c'est pas possible, frère. Oh, vas-y, rajoute. Il s'en balèque, lui, hein. Lui, il s'en balèque, frère. Il a une confiance, le gars. Il a un niveau de confiance en lui. Admirable. Ok. On est à une boule de feu de la tour de droite. De la tour de gauche, pardon. Et on va essayer de taper. Il a le fût à barbare. Non, il a le zap. Ah, il a un deck en fait classique, vraiment le classique de classique avec le PK qui nous fait chier, le bélier de combat qui nous fait chier, tout nous fait chier en fait, la voleuse nous... tout est chiant. Alors on va essayer de faire un petit combo avec la reine. Il y a du PK, ok. Allez. Là c'est vraiment le combo à l'ancienne, hein. Tu mets tes cartes tranquillou derrière. Là, sa boule de feu. Allez, pas un seul dégât. Putain, aucun dégât, c'est pas grave. Pas non plus se plaindre tout le temps. Putain, mais j'aurais pas mis la bûche. J'aurais pas pris de dégâts. Ils auraient pris les dégâts. Bon, bref. Ok, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Je suis obligé de défendre, les gars. C'est quand même incroyable ce billet de combat. Hein. C'est quand même très très bon. Faudra pas oublier, évidemment. Oh, le PK, frère. Fantôme Royal, qu'est-ce qu'on a? Ok, il faudra pas bien mettre la boule de feu. BDF, mon frère, évidemment. Pour terminer cette tour. Et on termine l'archer magique avec quelques points de dégâts. Ok. Bon, attendez, j'aurais bien mis une petite reine des archers au milieu. Tu la connais, cette stratégie, si tu joues la reine. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Ok, on va laisser taper, c'est pas grave. Il a mis le zap en plus, donc il a mis beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Alors là, il y a le PK qui va arriver, mais c'est pas grave. Faut bien qu'il joue. Oh putain. Ouais, bah j'ai rien dit en fait, hein. J'ai rien dit. On s'est fait éclater. Oh, c'est dur, hein. Franchement, là, c'est dur, les gars. C'est hyper dur ce qui se passe. Non, mais encore le fantôme royal qui me casse les pieds, c'est pas possible celui-là. Non mais celui-là faut le patcher vraiment les gars, faut le patcher, on n'en peut plus. Là on sait qu'il y a un PK en face, putain quel enfer ce deck. Quel enfer le deck du mec en face clairement. Ok, là il faut mettre la boule de feu les gars, je suis pas fou. Non, avec les squelettes, bon, ils vont se prendre le canon. Voilà, t'as intérêt de défendre, merci reine des archères. Bon là il y a le truc, on est en x3 les gars, on est en x3, on y croit. Petit canon, attention évidemment à cet archer magique qui peut nous faire chier. Ça va être la capa de la reine. J'aime bien quand c'est des fins de partie comme ça parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ok, nice. On va remettre. Putain, frère, si ça passe pas là, si ça ne passe pas, je ne comprends pas. Ils sont 70. Allez, putain, canon. Allez, le PK là, il va être son PK, frère. Vas-y, il va être son PK, mais heureusement. Heureusement que dalle. Hein. Oh, à gauche, à gauche. La tour centrale, les refs. La tour centrale. On va mettre le canon pour protéger. Ok. Oh, j'ai peur, les gars. Je vous le dis, j'ai peur, là. On a la tour... Oh, la tour centrale. Tour centrale, mon ref. 300 points de vie restant.
Ok, il tape pas sur la tour, nice. C'est win. C'est win, bébé. Let's go. Putain, la game de fou. Le deck est trop bon, je vous le dis. Je vous le dis depuis le début. Deux petites défaites qui ont fait mal. Le petit coup de poing dans la tête. Mais sinon, deck très solide, j'ai kiffé. Encore une fois, j'étais en total découvert. Donc si vous voulez jouer ce deck, vous allez être encore meilleur que moi, vous allez être des monstres. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à noter évidemment les counters. Si jamais vous galérez, voilà, vous notez comment vous devez jouer contre les counters, les golems, les machins. Trouvez des stratégies et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.